Monsieur le Président, mes chers collègues, les rapports d'activité de développement durable sont des catalogues d'actions administratives et statiques qui font la part belle aux grandes théories. La signature d'un contrat, un chantier administratif, l'élaboration d'une politique publique, des travaux de cartographie, l'écriture d'une ressource, des chiffres, des hypothèses d'évolution, un état des lieux, des séminaires, des tableaux, etc., etc. Tout cela est nécessaire, mais où est la vie réelle, celle que vivent les gens? Parce que finalement, nous sommes bien là pour eux. Quels sont les résultats sur le terrain? Le développement durable, on en parle encore, on en reparle, on se réunit pour en parler. Mais quand agissons-nous? Nos concitoyens attendent des résultats concrets dans leur vie de chaque jour. Manger correctement, vivre de son travail, être en bonne santé, être propriétaire, ne plus connaître ces journées de pollution qui gênent la respiration et qui intoxiquent les organismes. Se chauffer à moindre coût, être formé pour se qualifier, se déplacer rapidement partout dans la région en toute sécurité avec un choix d'intermodalité. Le chef d'entreprise se demande comment trouver un jeune bien formé. Or, notre région, ce n'est rien. Ce n'est pas cela. Notre région est la dernière de France dans les classements santé et pauvreté. Alors arrêtons de parler et trop réfléchir pour finalement s'immobiliser. Agissons et avançons.